Coucou, aujourd'hui je vais te parler de la vie dans mon école d'ingénieur. Les semaines se partagent entre cours magistraux en classe entière, qui sont les cours théoriques, maths, physique, etc., et les travaux pratiques en plus petits groupes où on fait des exercices pour appliquer nos cours théoriques. Dans certains cours se rajoutent des projets à réaliser. Selon les semaines, je peux avoir entre 24 et 34 heures de cours, et les matières et les attentes varient en fonction des semestres. Les jeudis après-midi sont banalisés pour permettre aux étudiants de faire des activités autres que scolaires, associations, boulot, repos, etc. Moi par exemple, je fais du soutien maths et je m'investis dans des projets perso. En termes de charge de travail, ça dépend de pas mal de facteurs. Déjà de la personne et son investissement dans la formation, puis de la période de l'année. On travaille généralement plus quand les rendus de projet et les partiels arrivent. Et enfin, de ce que tu as fait avant d'arriver dans l'école. Moi j'ai fait une prépa scientifique, du coup en cours de maths, j'ai moins de travail à fournir. En gros, chacun ses atouts, ses facilités, et son organisation pour gérer le travail. À la prochaine !